tâcher comme vous pouvez. Voilà, arrêtons-nous là. On ne va pas discuter sur... Je veux dire le maximum de ce que vous pouvez. Quand vous ne pouvez pas plus, évidemment, vous ne pouvez pas. Attention. Le but, c'est pas de reconstruire la cartoucherie. Le but, c'est jouer les Atrides en Hollande, pour les Hollandais. Non. Par exemple, si vous voyez les loges, on a rangé nos affaires, mais on a tout fait pour qu'elles soient, pour que ce soit bien rangé, pour que ce soit agréable aux yeux des spectateurs qui vont venir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, avant même de prononcer le premier mot, la première note de musique, les spectateurs vont venir avec nous, on va les inviter, on va les accueillir. Moi j'adore accueillir le public. Moi, chaque fois que nous ouvrons notre porte, je me dis « miracolo », ils sont là, hein, ils sont venus chaque fois. Même si évidemment pendant 7 mois, 8 mois, on a tout fait pour qu'ils viennent, pour que le public vienne partager. Notre repas théâtral, notre gâteau théâtral. Mon but, ce n'est pas d'être différent ou différente ou original. Je pense que les spectateurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont émus. Je pense que ce qu'on cherche, en tout cas, nous, ce que nous cherchons dans le jeu, c'est la forme et le fond, c'est-à-dire c'est la forme et la vérité. C'est-à-dire l'émotion profonde et une mise en forme. Nous cherchons, si vous voulez, d'où vient ce texte, enfin, quelle est l'émotion qui produit tel vers chez tel personnage, chez Échille. Et comment est-ce que cette émotion se traduit-elle physiquement? En fait, c'est peut-être que pour nous, le théâtre, c'est l'art du symptôme. Mais c'est vrai que nous, on travaille beaucoup dans le corps. C'est-à-dire que... Et le masque, je veux dire, le masque, l'objet... Il a, pour nous, c'est la base de notre travail, c'est le masque. Chaque fois qu'on prépare un spectacle, toujours il y a les masques en répétition. Parce qu'ils nous ramènent toujours à l'essentiel, au simple. Souvent, on bouge beaucoup, 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 jusqu'au moment où on simplifie les choses. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sauter, danser, machin. Et Ariane, elle regarde, elle dit ok. Jusque j'en ai... Ça va, maintenant tu peux faire plus simple. C'est Ariane. Elle est mon metteur en scène, avec qui j'aime travailler, avec qui des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, avec qui on parle. Voilà. Bon, souvent elle a raison. Attends, stop. Simon, est-ce que tu es plus haut que d'habitude ou pas? Alors il faut parler, les enfants. Pourquoi il est plus haut? Effectivement, je dirige le Théâtre du Soleil et tout le monde le sait.
Voilà.